Nous espérons que Beijing aura simplement confiance dans le fonctionnement du principe « un pays, deux systèmes », tout en laissant Hong Kong être Hong Kong. C'est simplement une question d'honorer un accord qui a déjà été fait et qui a très bien fonctionné durant de nombreuses années. Lors d'un entretien lundi accordé à la radio hongkongaise RTHK, le consul général Hong Kong Smith a aussi rejeté les accusations de la Chine d'ingérence américaine dans les affaires politiques de Hong Kong. Les États-Unis ont déjà commencé à éliminer le statut spécial de Hong Kong, suspendant les exportations en matière de défense et restreignant l'accès de la région aux articles de haute technologie.